Salut, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on se lance pour le 11e épisode de la vie d'un garagiste sur Car Mechanic Simulator 2014. Alors aujourd'hui, nous allons réparer notre 43e véhicule. Donc c'est une Revston Van de 2008. Check the brake, donc en gros c'est les freins. Voilà. Donc c'est parti. Alors pour les freins, tout simplement, on va le faire à la main. On va le faire à la main, tiens. Pourquoi pas? Alors, break disc qui sont là. Break clapper, c'est là. Hop. Voilà, on peut voir que ça c'est fichu. Ensuite, non. Voilà, ensuite, on va checker ici. On voit que. Ouais, d'accord, en fait. Ils sont morts ces freins quoi. Donc on va faire tout de suite la deuxième. Hop. Bah de toute façon on va être obligé de la démonter pour retirer ça. Oh, à chaque fois je me trompe aujourd'hui, c'est pas possible ça. Hop, on va faire l'arrière tout de suite. Donc on aurait pu tester les freins différemment en utilisant notre test, notre pas de test. Donc voilà, on va aller voir tout de suite si on peut réparer quelques-unes de ces pièces. Impeccable. Ensuite, on va regarder alors réellement ce qu'il nous faut. Il nous faut des brake pads, il m'en faut 1, 2, 3, 4. 4 brake pads, 1, 2, 3 et 4 brake disques. Alors, brake pad et brake disc, donc 4 comme ça. Voilà, on va installer de suite. Donc voilà, on répare la petite voiture. Enfin, on répare, on change les freins tout simplement. Hein. Voilà.
Donc ceux-là, je les ai laissés. Pourquoi? Parce que j'estime que l'usure, voilà, est encore correcte. Donc on verra bien si j'ai bien fait ou pas. Voilà, on va voir ça de suite. Apparemment, non, j'ai pas bien fait. Je vais être obligé de redémonter ça. Il m'en faut encore 4 4 brake pads. Je vais les acheter au passage. Du coup, je redémonte les roues. Ça va, j'en ai que deux à refaire, du coup, normalement. Ah, je pensais que c'était encore suffisant, mais apparemment non. Voilà, c'est tout, c'est pas grave. Donc là normalement, voilà, donc en fait il fallait vraiment les changer. D'accord, tout, quoi qu'il arrive. Tac. Donc on va revendre ce qui nous sert plus à rien. Ça non plus. C'est pas réparable. Ça c'est pas réparable. Non. Voilà. Donc, voiture réparée, passons à la suivante. Alors nous voici pour la voiture. Ok, alors une Refton Van encore de 2008, Performance Tuning, plus 10%. My car and more power, ok. Manque de gouache. Oh! On a changé de garage! Mais oui, on a changé de garage! Oh, et puis on a un nouveau truc, Roller Gino, Twin Car. Ah bah c'est ça. Donc on va aller faire ça. Donc voilà, nouveau garage aujourd'hui. Alors là, je sais pas du tout comment on utilise ça. Ça va être joyeux. Moins 34%, ah non, ça va pas. Ah ça c'est pas trop mal.
voir ça. C'est quoi ça? Comment ça marche ce truc? Oui, alors. Comment ça fonctionne? Mais bah alors là, j'en sais rien, j'en sais rien. J'ai fait quoi là? Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ça.
On va y retourner. Alors là, on va tester comme c'est. C'est pas ça. Voilà. Donc on va remettre ça. C'est pas ça non plus. Bon, comment ça marche? Comme ça. Non plus. Bon. Cool. Et ben ça c'est bon là. Bon, alors là les amis, on est mal barré pour cette préparation, non, c'est toujours pas bon. Toujours pas bon. Donc, qu'allons-nous faire? On va essayer, on va réessayer. C'est un nouveau truc que je connaissais pas, ce truc-là. Alors. Bah là, c'est comme ça.
Bah non, je suis monté à 75, c'est quoi le délire là? Ah. Là, on doit pas être trop mal. Plus 35. Impeccable. On a réussi. C'est laborieux quand même. Donc apparemment, faut jouer avec les barres de façon à ce que ce soit la plus haute et la plus régulière. Ça doit être ça. Donc voilà, voiture normalement réparée. Enfin, j'ai fait les réglages surtout. Assez long à faire, fallait comprendre. En fait, je pense qu'il faut. Alors, je pense que sur les trucs de Dino, là, il faut régler en fait de façon à ce que ce soit bien régulier. Mais bon, sans être 100% sûr non plus. Alors, sans plus attendre, trouve Eliminate the Cause. Alors, ça sera la dernière d'aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de temps sur la précédente. Mais bon, c'est pas grave. Hein, il a fallu que je comprenne. Normalement, c'est 0,1 de différence là, mais bon. Okay. Là, c'est pareil, 0,1, c'est bon. Donc là, c'est trouver, éliminer la cause du problème, tout simplement. Là, 2,2, ça commence à être pas le top, mais bon, je pense pas que ce soit ça la cause de son problème. Par contre, ça, oui, hein, 20,7, à mon avis, on a atteint un record. Tac tac tac, on va faire quand même l'ODB Link, l'OBD Link, tac tac tac. Alors, ça vient pas du système de courroie tout bazar, enfin des pompes surtout. Système. Voilà. Tac, on va regarder ça. Donc ça vient de là. Et ça vient de là. Donc il va faire la levée. La levée. D'accord. Là. Hein, là. Normalement les roues, si je les laisse, ça ne devrait pas me causer de problème. On va faire comme ça. Alors ici pour le lever, c'est là. Tac. Qu'est-ce qui bloque? Ça. Donc voilà, on a ça à changer. Ici j'ai ça enlevé, pareil, c'est à changer. Voilà. Hop, on va passer à l'arrière maintenant. Parce que j'ai vu que j'en avais une aussi. Ouais, d'accord, faut retirer le pot ici. Tac tac tac. Voilà. Voilà, donc on va aller voir si on peut pas les réparer, si je trouve l'établi ici qui est là. Impeccable, on peut réparer. Il manquera juste à acheter les petits trucs là, je sais plus le nom exact. Qui sont. Quelque part par là. Là. Donc il m'en fallait deux. Voilà. On va remonter ça. Ici. On va remonter ici.
pareil, ça. Hop là. On met leur remet le pot d'échappement gauche. Normalement, c'est réparé, impeccable. Belle voiture, hein. On va juste regarder son. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Donc voilà les amis, on va se quitter sur cette superbe voiture. Une COLC 500 de 2013 qui n'est pas vieille du tout. Voilà. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.